Si Elysium existe encore, c'est uniquement grâce à lui. Son courage ne fait aucun doute. L'humanité a besoin de héros. On ne trouvera pas mieux que Shepard. Il est d'un banal absolument dégueulasse. C'est fou. Vous ne détruirez pas cette base. Je ne vous laisserai pas faire. Calme-toi. Pose ce truc et... on se roule un petit joint, on en cause. Ah non, me demandez pas de faire ça. Écoutez. Faites un Shifumi, démerdez-vous entre vous. Moi, je suis pas concerné par ces conneries. Gary, j'ai plus qu'à médiation. Gary! Tant pis pour le conseil. Mais honnêtement, ils nous ont jamais aidés. On les avait prévenus, on leur avait dit, on a essayé de leur dire. Mais ils nous ont toujours envoyé chier. Donc, fuck it. Au secours! Maman, à l'aide! Putain, c'est The Ring! Ah mon Dieu! Et je suis très contente de vous retrouver pour la suite de cette saga qui, ma foi... Eh bien écoutez, je suis assez étonnée que le premier n'ait pas eu tant d'épisodes que ça. Honnêtement, je pensais qu'on finirait après Okami. comme quoi, bon, mais écoutez. Mais bon, d'un côté, c'est pas plus mal. On est reparti avec notre cher Johnny Shepard, puisque c'est comme ça que ce pauvre type s'appelle. Écoutez, je l'ai affublé d'un nom absolument dégueulasse. Voilà. J'en suis fortement désolée, hein. Excusez-moi pour tous les Johnny, mais je veux dire, Johnny Shepard, c'est pourri, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Bon, bah, écoutez. Nouvelle partie donc. Importer personnage. Notre petite Johnny qui est que level 35, hein, parce que bon, forcément, je n'ai pas fait les missions secondaires, etc. Parce que flemme, parce que la série avait déjà duré assez longtemps comme ça. Donc du coup, fuck it, hein, voilà. Nous allons y aller. Chargeons le profile. Histoire de se faire un petit rafraîchissement de mémoire. Donc, en facile toujours et encore, hein, bien évidemment. Vous allez me dire que oui, bon, au niveau challenge, tout ça, écoutez, j'en ai rien à cirer. Je joue principalement pour l'histoire. Voilà, les combats dans Mass Effect m'ont toujours gonflé, donc voilà. Sous-titres, oui. Machin, oui. Tout est oui. Tout va bien. Donc, Johnny, hein, n'est-ce pas? Le 105, on s'en fout. Il est franc-tireur. Donc, on est conciliant. Écoutez, ma foi, oui. Frex est vivant. On l'a sauvé. On a réussi à le sauver. Souvenez-vous, hein, dans un des épisodes, on avait... Frex avait pété les plombs et on l'avait sauvé. C'était magnifique. Donc, Ashley, elle est décédée. On a sauvé le petit Kaidi et le conseil... On s'en est battu allègrement les noix. C'était formidable. Je vais couper mon micro pour la cinématique qui va popper. Et je vous retrouve bien tout de suite après. Voilà, à tout de suite. Shepard s'est très bien débrouillé, mieux que nous n'aurions pu l'espérer. Le commandant Shepard a découvert la vérité. Et pourtant, c'est insuffisant. Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Mais il l'envoie combattre les guettes. Les guettes. Les guettes ne sont pas la vraie menace. Les moissonneurs sont toujours là. Oui, et nous seuls pouvons les arrêter. Le Conseil n'acceptera jamais notre aide. Il se méfie trop de Cerberus.
après tout ce que les humains ont accompli. Shepard, en revanche, ils le suivront. C'est un héros, une véritable légende. Mais sans Shepard, si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'il ne meure pas. Désactivation des moteurs SLM. Dissipateur thermique actif. Témoin ouvert, on est en furtif. On perd notre temps. 4 jours à passer ce secteur au peigne fin sans trouver le moindre signe d'activité guette. 3 vaisseaux ont disparu ici le mois dernier. Quelque chose leur est arrivé. Je parie sur les esclavagistes. C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus. Je capte un contact sur le scanner à longue portée. Vaisseau non identifié. Un croiseur à première vue. Ça ne ressemble à aucune signature connue. Le croiseur change d'itinéraire. Il est passé en trajectoire d'interception. Impossible. Les systèmes furtifs sont activés. Un vaisseau guette n'aurait jamais... Ce ne sont pas les guettes. Gaffe, manœuvre évasive! Shepard ? Balise de détresse parée au lancement. Est-ce que l'Alliance arrivera à temps ? Voilà, re ! Le son, il n'y a pas de son dans le jeu, c'est normal actuellement, c'est parce que j'ai... je change de fenêtre, mais c'est très... C'est con, mais c'est comme ça. Donc ! Comment vous dire que c'est la merde? C'est la merde, notre Johnny a l'air plus prestigieux que jamais. Eh ben j'espère bien, hein. Je ne vais pas faire ça pour qu'il retrouve nos cadavres congelés. Faites monter tout le monde dans les navettes d'évacuation. Joker est toujours dans le cockpit. Il n'abandonnera pas le vaisseau. Moi non plus, je ne pars pas. Excusez-moi, je contrôlais que j'avais bien remis mon micro. Kaidi, tu es adorable, hein, tu es mignon, je t'aime beaucoup, mais je t'ai dit de foutre le camp. Rejoignez les navettes. Je vais chercher cet éclopé de Joker. Commandant. Il n'y a pas de commandant qui tienne, tu fous le camp, point barre. Merci bien. Mon Dieu. Et l'autorité, merde! Un peu de discipline! Tout le monde là-dedans! Go, go, go! Joker, nom de Dieu! Où es-tu? Attendez, il est là-bas.
Rappelez-vous, Joker a la maladie des eaux de verre, donc il ne peut pas se déplacer là-dedans. S'il se déplace dans ce merdier, il va y passer, le pauvre petit. Joker. Décidément. Attendez voir. Ok, non, attends. Wait. Non, attends, ça c'est la table. Joker! Ah, voilà. Parfait. Ennemi non identifié. Ah! Nom de Dieu! J'arrive, Joker! J'arrive! Cette séquence m'impressionnera toujours, les enfants. Je l'ai déjà fini, Mass Effect 2, hein, ceci dit. Donc, ce n'est pas une découverte. Hein. C'est vraiment... Ça a été d'ailleurs mon premier Mass Effect. Et ma foi, c'est à ce jour encore et toujours mon préféré. Jockey ! Joker, vite ! Faut qu'on parte d'ici. Non, je n'abandonnerai pas le Normandie. Je peux encore le sauver. Arrête tes conneries, Joker ! Merde. Excusez-moi. Le Normandie est foutu. Et nous avec si on ne fout pas le camp d'ici. Non, il suffit que... Oh non. Il rend vie pour une autre attaque. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il nous ouvre comme une boîte de conserve. On a dû lui péter le bras, par contre. Le Joker, là... Les eaux de verre, c'est la merde, les enfants. Je sais même pas s'il existe actuellement un traitement contre cette maladie, mais... Fous le camp, Joker! Fous le camp, mon grand! Le commandant Shepard a été récupéré. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. Voilà, donc pour ceux qui se demandent, la petite BD c'était juste le résumé, hein, il n'y avait rien de très important. Par contre, ça s'adapte, en fonction des choix que tu as fait dans le 1, et ça c'est plutôt pas mal. Et c'est à ce moment-là, par contre, que tu choisis réellement qui prend la tête du conseil. Donc j'ai remis le petit Andy,
hein, Anderson, à la tête du conseil. C'est un choix que tu fais normalement à la fin, tu vois, comme vous avez pu le voir si vous avez suivi la série. Mais il te le redemande, j'imagine, pour je ne sais quelle raison. Toujours est-il que on a notre cher Johnny ici, hein. Il est toujours beau, beau et fringant, j'ai envie de dire. Écoutez, j'accepte. Toujours franc-tireur, ça ne change pas. Quoique. Non, mais gardons franc-tireur, écoutez. Écoutez. Formidable, cet homme. Charismatique. Il va pas se passer grand-chose dans cet épisode. Hein. Ce sera surtout de la cinématique. Parce que sinon, ça va encore durer 10 piges. Il réagit au stimuli extérieur. Il a conscience de son environnement. Nom de Dieu, Miranda. Je crois qu'il se réveille. Wilson, il n'est pas encore prêt. Donnez-lui le sédatif. Shepard, n'essayez pas de bouger. Vous êtes en sécurité. Restez tranquille. Son rythme cardiaque accélère toujours. Le G est frénétique. Oh, elle est trop bonne pour que ce soit vrai. Ils sont dans le rouge. Ça ne fonctionne pas. Oh, suis-je mort? Vite. À l'aide. On va pas se le nier, les gars. Miranda, elle est... Miranda. Hein? Bon. C'est pas Sabine, 46 ans, obèse et dégueulasse. Quoi. Shepard, vous m'entendez? Levez-vous immédiatement. Le centre est attaqué. Gardo? Shepard, je sais que vos cicatrices sont encore fraîches, mais vous devez vraiment... Attends, vieille, parce que j'ai une gueule de bois de l'enfer. Mimi, tu m'en demandes trop, réveille, Mimi. Oh. Ah, calme-toi, enfin, j'ai la migraine. Oui. Ah oui, je n'ai... Oula. Je n'ai pas configuré les touches. Ce qui est, ma foi, très con. Mais vas-tu taire? Ah oui, c'est vrai qu'on peut recharger dans ce... Ça baigne. Bon les gars, on atteint les navettes et on arrête? On fait ça, allez. Oui, normalement ma touche... Bah, si tu me laissais les abattre, déjà, ce serait très sympa. Qu'est-ce que c'est? Ah! Le retour du corbeau, comme d'habitude. On y est toujours. Il y a des headshots dans ce jeu? Oui, il y en a! Formidable. Beau travail, Shepard. Merci, Mimi. Un plaisir. Attendez, hop. Petite munition. Zou. Des munitions, en veux-tu, en voilà. Ah. Eh bien, au revoir. Ok. Sympathique. Ça donne envie d'y être. Écoutez. D'autres
Pardon. Et voilà les mechas. Utilisez le lance-grenade pour les détruire. Mâche gauche enfoncée pour sélectionner le lance-grenade. Oui. Toujours très... Prenez l'ascenseur pour descendre d'un étage. Ça baigne. Oui, ça va plus vite avec la molette, hein. Tu m'excuseras, mais... Vite, foncez jusqu'à la porte. Ah. C'est absolument pas maniable, je me souvenais plus. Oui, oui, t'inquiète. Non, je te reçois pas, il y a de la friture sur la ligne, tu passes sous un tunnel, ma grande. Qu'est-ce que... Ouh. Prends toujours le temps. Allons-y. Hop là. Oh bah c'est pas bien difficile hein. Feignant. Les progrès sont lents, mais le sujet montre des signes de récupération. Les organes majeurs sont à nouveau fonctionnels et on peut déceler une activité neurologique rudimentaire. Afin d'accélérer le processus, nous sommes passés d'une simple reconstruction organique du sujet à une fusion biosynthétique. Les premiers résultats sont encourageants. Bien d'accord. Bon. On va foutre le camp d'ici, on va continuer. Oui, bonjour. Bah ouais, je sais, c'est con. Salut vieux. Yo, Jackie, comment ça va vieux? Comment ça, il est pas mort? Ouais? Non? What the fuck? Je viens de me réveiller. Vous en savez sûrement plus que moi. Oui, c'est vrai. Pardon. Je suis Jacob Taylor. Je suis en poste ici depuis... Ennemi détecté. Merde. D'accord. Je connais pas... Si Miranda vous a laissé sortir, ça veut dire qu'on est mal barré. Je vous dirai tout, promis. Mais on doit d'abord retourner à la navette. Pourquoi on nous attaque en fait? C'est quoi le... Les mécas. Ce sont des mécas de sécurité. En général, ils sont de notre côté. Quelqu'un a dû les pirater. Mais normalement, c'est impossible. Le système est protégé. Je vais vous faire sortir d'ici, Shepard. Ah ben. Passe devant, je te suis. C'est votre station, Jacob. Je vous suis. Primo, pulvérisez ces saloperies métalliques. Nous n'avons plus beaucoup de cartouches thermiques. Mais je suis un biotique. Vous n'avez qu'à me dire qui viser et j'en fais mon affaire. Ça baigne. Ceci dit, c'est mignon, mais moi j'ai des munitions, quoi. Qu'est-ce que c'est votre souris? Oh! Savoir que, parce que je suis en fenêtré, et du coup, je ne vois pas le bas de l'écran, c'est relativement chiant. Bon, vous êtes prêt à mettre les voiles? Non. Attendez, je n'irai nulle part avant d'avoir des réponses. D'accord. Vous êtes qui? Je suis où, putain? Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'étais dans l'espace, et j'étais plus dans l'espace. Qu'est-ce? Vous dites que je suis en soins intensifs depuis 2 ans. J'étais dans quel état en arrivant ici? C'était pas beau à voir, croyez-moi. Un tas de viande raccrochée à des tubes. Voilà à quoi ça ressemblait.
N'importe qui d'autre vous aurait déclaré bon pour la casse. Mais le projet Lazare, c'est différent. Ils utilisent une technologie de pointe. Projet Lazare. Tu m'excuseras, vieux, mais moi, ça me fait surtout penser au film Casper. Pour ceux qui l'ont vu, big up! Wouhou! Ma génération, les mecs. Ah, Casper. C'est quoi ce projet, au juste? Sur qui d'autres ont porté des expériences? Sur personne. Vous êtes la seule raison du projet Lazare. Ah, ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur vous. 2 ans, vous imaginez? Ah non. Vous avez eu droit au meilleur de la technologie. Et sinon, ils sont où les autres? La seule chose dont je me souviens, c'est l'explosion du Normandie. Quelqu'un d'autre a survécu? Oui, presque tout le monde, à part quelques soldats. Et le navigateur Presley est mort, lui aussi. Oh, les autres oh. ont survécu, y compris le personnel hors alliance comme la Sariliara ou la Carienne. Oh, ma femme est vivante! Ma femme est vivante! C'est pas comme si je le savais pas, tu me diras, hein? Ils sont où? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça, commandant, j'en ai aucune idée. En 2 ans, il peut s'en passer des choses. Ah, mais je veux les retrouver, moi, gros. Former une équipe. S'ils savaient que je suis encore en vie, ils viendraient me chercher. Vous pourrez peut-être les retrouver une fois qu'on aura quitté cette station. Enfin, en admettons qu'on y arrive. Ça va, une foutons le camp. Le chemin le plus rapide pour atteindre la navette. Tout dépend de la position des mécas. Le mieux, c'est encore de... Hésitez, là, répondez. Répondez si vous m'entendez. Il y a quelqu'un sur cette fréquence? Wilson, ici Jacob. Je suis avec le commandant Shepard. On vient d'abattre un groupe de mécas dans l'LD. Shepard est en vie? Mais comment? Non. Ah ben... Pour l'instant, l'essentiel, c'est de le tirer de là. En passant par les tunnels de service, vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau. Compris, Wilson. Reste sur cette fréquence. Ça baigne. Partons d'ici. Ouais, pas la peine de traîner. On va passer par cette porte. Allez, foutons le camp. Zou! Faut changer vos ampoules, les enfants. Ça devient grave, là. On s'est fait repérer. C'est toute la station qui grouille de méca. Et puis ce que je peux... Honnêtement. Mais merde! Ah ouais! OMG! Je suis dégueulasse! Putain! Continuez d'avancer vers la salle de contrôle. Surtout ne vous arrêtez pas. Ah! Je vais voir ce que je peux faire. Oui. Je ne sais pas qui tu es, mais regarde, regarde. Oh non! Ils m'ont repéré! On arrive! Wilson! Vite! Ils sont incontrôlables! Wilson! Where? We are coming! Je sais pas, pas ici! Salut, Wilson! Les salopards m'ont touché à la jambe! Ah merde! T'es qui? Il faut partir d'ici au plus vite. Je peux pas bouger avec ma jambe dans cet état! Ah oui, il était dans le cinéma. Il devrait y avoir du médigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez me chercher du médigel dans la salle des premiers soirs! Oh, arrête de beugler, s'il te plaît! Allez. Suffit. Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mécas. Mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mécas de sécurité? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus. Comment vous expliquez ça? Pour moi, vous êtes des inconnus. Attendons d'être en lieu sûr pour savoir qui a fait quoi. D'accord, Shepard. Il faut qu'on retrouve Miranda. On ne peut pas la laisser là. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mécas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'il est. Il faut plus qu'une bande de mécas pour arrêter Miranda. Non. Ah oui? Et où est-elle alors? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter? Pour moi, il n'y a que 2 explications possibles. Soit elle est morte... Soit c'est elle qui nous a trahis. Mais arrête la parano, monsieur propre! Oh! Mais Mimi, c'est une femme solide, sur qui on peut compter. Et... En fait, non. Mais... Ah, je ne vais pas vous spoiler, vous verrez, mais... Bon...
Hein ? Bon ! Ceux qui ont fini le jeu, ils savent. Ils savent, non, mais bon, elle est gentille. Elle est gentille. On verra bien. On ne peut pas l'aider. Si ! On verra bien, écoutez. Je la connais pas depuis assez longtemps pour lui faire confiance. Ce projet tenait particulièrement à cœur à Miranda. Elle ne l'aurait jamais saboté. Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre peau. Oh, monsieur Prop, tu me gonfles. Est juste... Eh, merde ! On peut lancer une surcharge sur les conteneurs pour surveiller un chemin jusqu'au navet. Ouais. Je l'ai eu ! Et quoi ? Mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance ? C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais s'il s'attend à se faire poignarder dans le dos. Oh si bah. Tu veux mettre le boss à dos, c'est ton problème. C'est pas comme si, ça. Hein ? Le programme qui vous a reconstruit est fondé et contrôlé par Cerberus. Merveilleux ! Je me sens deux fois plus confiant. Oh, t'imagines même pas. Formidable ! Ça me dit quelque chose, oui, vaguement. J'ai eu quelques démêlés avec Cerberus quand je poursuivais sa reine. Une sorte de groupuscule radical pro-humain, c'est bien ça. C'est ce que l'Alliance veut faire croire. Mais la vérité est plus complexe. L'Alliance vous a déclaré mort. Vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serais méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. T'es un bon gars, Jackie, tu sais, je t'aime bien. Mais voilà, hein, éthiquement parlant, vous êtes pas les rois, voilà, hein, bon. Peu importe ce qu'ils ont fait, ce que vous dites, je ne coopère pas avec les terroristes. Vous irez dire ça au boss. Et d'abord, il faut qu'on se tire d'ici. Ça baigne. J'irai dire ça au boss, effectivement. Mais à quel moment? Ah oui, ça! Oh mon dieu! C'était terrible. Orange, orange, bleu. Violet, tac. Orange. Orange, merde. C'est lui. Mais encore, on est en facile, les enfants. Oh! On est bientôt arrivé. Je crois. Excusez-moi. On est bientôt arrivé. Bonjour. Allez, zou, expéditif. Piratons le datapad. J'aime pirater des datapads toute la journée. Merde. Ouais. Ouais. Du verre. Commençons par du verre. Que du verre, encore du verre partout. Merde. Eh ben dis donc. Le sujet de test a été récupéré, mais l'étendue des dégâts est bien plus importante que nous le craignions. Outre les brûlures et blessures internes, conséquence logique de l'explosion, le sujet a subi un effondrement cellulaire dû à son exposition prolongée à l'absence d'atmosphère. Malgré l'ampleur des traumatismes physiques, Wilson m'assure que le sujet est guérissable. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. J'avais donc l'air d'un raisin sec en fait, hein, un peu. C'est assez, dit la baleine. Oh.
Voilà. Et c'est là-bas, hein, je crois. Hop. C'est un peu long, les enfants, mais... Ça va aller. Aïe, mon chat me griffe la cuisse. Vite, formidable. Avancez. On est presque arrivé au... Miranda. Coucou. Mais vous... Morte? Bordel, mais qu'est-ce que vous faites? Toujours délicieuse, cette femme. Wilson était un traître. Même si vous êtes sûr, est-ce qu'il méritait cet accueil? Il a saboté les systèmes de sécurité, tué mes hommes, et il nous aurait tués aussi s'il avait pu. Vous en êtes sûr, Miranda? Ça fait des années qu'on connaît Wilson. Et si vous vous êtes trompé? Je ne me trompe jamais. Je pensais que vous l'aviez compris depuis le temps, Jacob. Et du coup? Si vous le dites. Alors quelle est la prochaine étape? On monte dans la navette et on s'en va. Mon chef veut vous parler. L'homme trouble, vous voulez dire? Je sais que vous travaillez pour Cerberus. Ah, Jacob, j'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté. Ce n'est pas en mentant au commandant qu'on va l'inciter à nous aider. Bon, eh bien, quitte à jouer franc jeu, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte, commandant? Oui, j'en ai, oui. C'est quoi ton tour de poitrine? Le projet Lazare, là, hormis Casper, ça... Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, hein, ma petite Mimi, écoute. C'est vous qui supervisiez le projet Lazare, n'est-ce pas? En effet, j'ai consacré 2 ans de ma vie à ce projet. À vous. Qu'est-ce que Cerberus veut de moi? Vous n'aurez qu'à demander à l'homme trouble quand vous le verrez. Il a débloqué des ressources quasiment illimitées pour Lazare. Manifestement, il a des projets pour vous. Et d'autres survivants? Et le reste des habitants de cette station? On est dans la zone d'évacuation. S'ils ne sont pas encore là, ils ne le seront jamais. Oui? On ne peut pas partir sans en être sûr. Il faut qu'on retourne voir. Vous ne comprenez pas. Il n'y a qu'une personne qui vaille la peine d'être sauvée, et c'est vous. Elle a raison. On connaissait tous les risques quand on s'est enrôlé. Sans vous, tout ça ne rime à rien. Alors, on va se calmer, les enfants, de petites secondes, parce qu'on est d'accord que ma vie ne vaut pas plus que quelqu'un d'autre, hein. Voilà. La bombasse et le black lambda, excusez-moi pour tous les noirs, mais écoutez, c'est un personnage lambda, cet homme est lambda, c'est le noir lambda, je m'excuse, mais c'est vrai, c'est un, comme Kaidan Alenko est un espèce de d'hispanique lambda, et bien lui c'est un, bref, on s'en fout. Je ne veux plus voir cette station de la vie. Oh putain. De vos vies, en l'occurrence. Allons-y. Ouais, foutons le camp d'ici. Avant que vous ne rencontriez l'homme trouble, nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition. Quoi? Encore des tests? Vous avez vu comment Shepard a détruit ses mécas, non? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? 2 ans se sont écoulés depuis l'attaque. L'homme trouble doit s'assurer que la mémoire et la personnalité de Shepard n'ont pas été altérées. Posez-lui les questions. Aha. Quoi? 2 ans? Si longtemps que ça? 2 ans et 12 jours, pour être exact. Et vous avez passé la plupart du temps sur une table d'opération. Formidable! Parfait. Dans ce cas, ce ne sera pas très long. Commençons par votre histoire personnelle. D'accord, allons-y. D'après les archives, vous avez grandi sur Mindoire. Vos parents sont morts pendant un raid d'esclavagistes. Ensuite, vous êtes entré dans l'armée et vous avez gagné votre première médaille pendant le raid skylien. Vous vous en souvenez? Oui. Alors par contre, le raid skylien, les enfants, voilà. J'ai fait mon job, c'est tout. De nombreuses vies dépendaient de moi. Ce que vous avez fait ce jour-là, c'est vraiment incroyable. J'ai des amis qui... Je ne m'en souviens alors, pas. Miranda, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Presque. Je dois encore vérifier les souvenirs récents. Sur Virmir, lorsque vous avez détruit l'usine de clonage de Saren, un membre de votre équipe est mort dans l'explosion.
L'officier artilleur Ashley Williams est morte au combat. Pourquoi l'avez-vous abandonné? J'ai pas pu. Et puis parce que. Et puis Kaidi, et puis Ashley, elle en met engueuler la boule pinette. J'ai pas pu, c'était trop dur. Et puis. Bah... Oh, tout j'ai essayé. C'est vrai que j'aurais pu me la taper, tu vois, mais. Elle avait des lèvres beaucoup trop grosses pour moi, je peux pas. Ça me faisait. Je sais pas. On aurait dit une ventouse. C'était terrible, absolument terrible. C'est affreux ce que j'ai dit. Ah mon dieu. C'était un choix difficile. Vous croyez peut-être que c'était facile. J'ai dû faire un choix et j'ai choisi de sacrifier une vie pour en sauver plusieurs millions. Ash n'est pas morte pour rien. Sans elle, on n'aurait jamais pu arrêter sa reine. Je ne vous juge pas, commandant. On sait tous que cette usine de clonage devait être détruite. Nous allons pouvoir passer au test sup. On n'a pas le temps, Miranda. La tête va bien, le physique va bien. Pas besoin de faire d'autres tests. Il y a aussi autre chose qui va bien, Miranda. Que l'homme trouble soit du même avis. Si tu veux tester, écoute, tu es la bienvenue. Hein, voilà, fonction cardiaque et vasculaire. Oh, mon Dieu. Ah, formidable, nous pouvons sauvegarder. Merveilleux, j'aime. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Oui, mais ce sera pour la prochaine fois, petite Mimi. Eh bien, mes enfants. Voilà, c'est une autre série de Mass Effect qui commence en Mass Effect 2. Je suis, ma foi, fort contente. J'essaierai, donc, on va faire le 2 et le 3, hein, s'il n'y a pas de problème. Mais j'essaierai quand même, après tout ça, de faire Andromeda. Écoutez, je ne sais pas, absolument pas si ce sera fait, mais j'aimerais beaucoup le faire. Tant qu'à tout faire, autant y aller franco, tu vois, autant tracer et faire tous les Mass Effect, vraiment tous, voilà, ce serait, c'est gros, bah, bon, bref, on s'en fout. Cette vidéo a déjà duré beaucoup trop de temps. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, sortez tout vert, et à ciao, bonsoir.